Et prenons un petit peu de tournant autour de cette place, Jean-Seb. Marché qui se tient ici depuis le 9e siècle, même si les bâtiments qu'on voit autour de nous sont postérieurs largement à cela. Ils sont deux places entre la Grand Place et la Place des Héros, qui est juste à côté de nous. Deux places qui sont connues dans le monde entier parce que c'est un ensemble architectural totalement exceptionnel qui est unique en Europe. 155 maisons, 345 colonnes, des arcades. Ici même, sur la Grand Place, se déroulaient de grands tournois de chevalerie. La Place des Héros, elle a été chantée par Verlaine. Elle est dominée par ce beffroi, les beffrois du Nord qui sont l'identité symbolique de la région. Le beffroi qui vient de l'allemand Bergfried, qui veut dire... Garder, c'était le symbole de la liberté et de l'indépendance de ces communes en opposition aux donjons et aux clochers. Au sommet de ce beffroi, il y a, on va la découvrir, la couronne, couronne impériale passée au comte de Flandre par Charles Quint. Surmontant cette couronne, il y a le fameux lion des Flandres. Et puis, on a ajouté... Après le traité d'Utrecht, on a ajouté le soleil représentant le roi soleil, le roi Louis XIV, qui était devenu évidemment souverain de la ville. Et on va découvrir que ce beffroi qui est somptueux sur ce fond de ciel bleu, ce beffroi, il a des gens qui sont fous de lui et qui en sont vraiment amoureux. Monument préféré de oh là là. Par son architecture typique du Nord, Arras a pour elle de faux airs de sa cousine belge, Bruges. On nous dit Arras est la petite Venise du Nord. Et ça, j'adore Bruges et c'est vrai que je suis assez fière quand même que Arras soit aussi proche d'un point de vue architecture de Bruges. C'est, oui, la petite Venise du Nord. Ouais, tout à fait. En partie détruite pendant la Première Guerre mondiale, la Place des Héros a été reconstruite pierre par pierre. 345 colonnes et 155 maisons font de cet ensemble architectural un lieu unique en son genre. Et ce qu'il y a d'encore plus exceptionnel sur cette place, c'est ça. Le beffroi, élu monument préféré des Français 2015, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit il y a plus de 500 ans, la tour octogonale et ses 75 mètres de hauteur est le monument le plus haut de la ville. C'est un monument de beauté écrasante, c'est un monument plein de surprises. Et quand je le vois, je me dis que de vivre à ses côtés au quotidien, c'est une chance énorme. Si l'extérieur est époustouflant, l'intérieur l'est tout autant. Dans cette salle, une peinture exceptionnelle, la toile marouflée réalisée en 1928. 50 mètres de long, retraçant la vie des Arageois au XVIe siècle. Et les murs sont à admirer de très près. À l'intérieur de ces ornières, c'est par exemple des feuilles de choux qui donnent un relief incroyable à toutes ces lignes, toutes ces courbes. C'est de la dentelle sculptée. Clou du spectacle, la montée tout en haut du beffroi. Malgré la pluie, un paysage aux couleurs ocre et de craie se dessine. Toute cette beauté d'architecture, cette ville qui nous offre une richesse incroyable, voilà, c'est ça, quoi, c'est pour tout ça. Que ce soit de jour ou de nuit, la ville d'Arras et son beffroi sont incontournables dans la région. Le symbole de la liberté et de l'indépendance, c'est également à ce... on a vu le lion d'Arras, c'est sur cette grande place, on découvre les plus beaux bâtiments qui soient. Juste derrière moi, vous avez le plus vieux bâtiment de cette place, le plus ancien hôtel. Il date de 1467. Et puis quand on vient ici à Arras, il y a un autre lieu qu'il faut absolument découvrir. C'est la carrière Wellington. On est dans une ville qui a gagné sa Légion d'honneur, au champ d'honneur justement, pendant la Première Guerre mondiale. Une ville fière, vaillante, qui a été témoin de lutte
chute nombreuse qui a été également le pivot d'une offensive lancée en 1917. Le lieu, c'est la carrière Wellington, où on va découvrir toute cette histoire de la bataille d'Arras, où ici, ce sont des milliers de soldats qui se sont enterrés, qui ont creusé des galeries. Il y avait déjà ces bofs qui étaient des souterrains, qui sont toujours des souterrains sous la ville d'Arras. On les a reliés pendant des jours entiers, et à partir du 9 avril, il y a une offensive qui a été lancée à 5h30 du matin. Offensive surprise montée par le général Nivelle, qui était le commandant en chef à l'époque où le front était trop fixé, où tout le combat s'enlisait depuis des années. Et ce sont des dizaines de milliers de soldats qui ont surgi des entrailles de la terre. Et pendant 39 jours, ça a été une bataille terrible. Ça n'a pas suffit bien sûr au sort de la guerre, ça s'est joué ailleurs et plus tard, mais il y a eu 130 000 morts allemands, 100 000 côté allié, ça a sauvé Arras de l'occupation allemande, et on se souvient de tout cela dans cette carrière Wellington qui est un des hauts lieux de la mémoire de cette Première Guerre mondiale, ici à Arras. Merci Jean-Seb. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure du roi Soleil. Eh bien, je crois qu'il nous fait un petit clin d'œil ce matin, le roi Soleil, Louis XIV. Salut, votre Altesse. Voilà. Et on est ici sur la Grand Place, qui est un endroit absolument divin. Je peux te dire, on travaille avec le quart de Marseille qui venait un peu à reculons ici à Arras. Et là, ce matin, les Marseillais, ils sont heureux. Bah, Nathalie, c'est vrai ou quoi? Donc, quand tu montes de Marseille, tu te dis, bon, bah, je monte pas vers le beau temps. Ben bah, voilà, erreur. Et surtout, tu es dans un décor absolument incroyable qui est vraiment unique en France. À Marseille, on n'a pas ça. Sûr. Ah voilà, Caroline, tu l'aimes cette ville, hein, tu la connais bien. On a de la chance de travailler, de vivre dans ce décor-là, ce décor à la fois historique, ces grandes places qui sont le cœur de la vie aragoise. Mais c'est aussi une ville qui bouge culturellement. On a un théâtre, on a les deux scènes du casino, et puis on a un grand festival de musique dont on parlera plus tard dans la semaine, je crois, qui anime le début du mois de juillet chaque année avec des dizaines de milliers de... Voilà, le 5e festival de France, hein, des milliers de festivaliers qui arrivent ici à Arras. Mais ouais, j'aime bien ces regroupements très humains. On a une autre régionale de l'étape, je vous signale quand même, ici en Nord-Pas-de-Calais, c'est Nathalie Schrein-Guirma. C'est vrai. Le papa est d'Hazebrouck. Hein, donc... Oui. Ah, mais t'es une Flamande, t'es pas une artésienne, toi? Ah bah oui, si t'es de la Flandre, t'es de la Flandre. Les gardes clochiers, ça commence. Ah bah oui, c'est comme ça. Vous savez, même dans ces grandes régions, il y a toujours des petites régions comme ça, et puis ça s'oppose, bien entendu. Tu sais, quand je suis sur cette plage, je trouve qu'il y a des belles similitudes architecturales aussi avec la Grande Place de Bruxelles. Bien sûr, oui. Bien sûr, on sent bien. Ce style baroque flamand. Ah ouais, et puis on est. J'adore cette place, elle est magnifique. On se sent bien au milieu des habitants du lieu, et on a Pépé Le Mat qui est avec nous. Alors regardez ces images absolument sublimes. C'est trop beau. C'est juste le quotidien ici, hein. Mais c'est pour ceux qui regardent d'où qu'ils soient dans leur région, ils se disent, oh, quelle splendeur. Non, les gens d'ici, c'est normal, c'est notre quotidien. Regardez, bras à l'air. Ouais, et puis bronzé. Et hein. Moi, je suis impressionnée, Pépé. On sent que tu prends le soleil, toi. Elles sont devenues parisiennes, regardez-les. Les charmes. Non, juste frileuse, Pépé, juste frileuse. Regardez les Arageois autour de nous, ils sont plutôt dans notre style bien couvert. Oui, mais peut-être qu'ils aiment le loin. Oui, et puis je vais vous dire un truc, ils n'y ont pas cru ce matin. Ils se sont dit, on ne va pas l'avoir, le soleil. C'est pas possible. Et puis regardez, on va l'avoir toute la semaine. Toute la semaine. Voir, et on en a besoin, ça va nous régénérer, vous allez voir. On va être de plus en plus beau.